Comme un avertissement cet après-midi encore à Agen, les éleveurs organisaient une action remarquée. Lâcher le cochon parce que pour dire que voilà, les animaux viennent voir dans le lieu où ils sont censés être commercialisés de manière équitable et que le commerce équitable n'existe pas chez nous. Le gouvernement a désormais 3 semaines pour mettre en place les mesures annoncées, mais la bombe n'est pas totalement désamorcée. Les éleveurs veulent encore organiser des barrages à Lyon ce soir et à Clermont-Ferrand demain. C'est deux mâles, des femelles? Deux mâles et une femelle. Ah, il y a une chatte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a? C'est à qui? C'est ma chatte. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'en prends bien soin. Il faut quand même bien se rendre compte que Village Départ est la seule émission qui va vous montrer un homme tirant une voiture avec ses oreilles. Oui. Pour en avoir conscience. Et avec des pinces. Et avec des pinces. C'est maintenant. Attention. C'est en direct. C'est maintenant le défi. Tu voulais demander quelque chose à papa, profite-en, il va dire oui. Vas-y, Célia, je t'écoute. Bonne chance, t'es le meilleur et repars avec la voiture, sinon tu repars à pied. Oh. Et regardez, regarde. On a une dizaine de mètres à faire. Il tire avec ses oreilles, parce que ça paraît simple comme ça, mais... Il y a un homme dans la voiture, évidemment. Nico. Et sache que c'est un défi qui ne s'est jamais fait en direct à la télé, hein. Jamais. Allez, bravo, encore, bravo. Stop. On va bravo. Pas jusque là. Allez, il l'a tiré sur quoi? Il l'a tiré sur 1, 2, 3, au moins 5 mètres. Pendant mes voyages, on m'offre un thé, partager un repas. Ici, apparemment, la tradition, c'est de partager de l'opium. Donc je vais devoir goûter pour pas les insulter, mais c'est vrai que comme c'est une drogue dure, je sais pas exactement comment je vais survivre le truc. Hey, like this? Okay. Mais la question que je me pose, moi, depuis le début du temps, c'est est-ce que les cyclistes qui se droguent sont un exemple pour les drogués qui ne font pas de sport? C'est une bonne question. La roue arrière a glissé, il est tombé, alors qu'il revenait comme une fusée. Il revenait sur Geschke comme une fusée. Voilà, la roue arrière qui part, et puis ensuite donc... On pensait que cette menace n'existait que dans notre imagination, commence le présentateur de NBC. Eh bien, une vidéo prouve désormais le contraire. Il est possible de contrôler à distance une voiture connectée. Une information pas vraiment rassurante. C'est un journaliste qui a tenté l'expérience, aidé d'un groupe de hackers. Ils ont réussi à envoyer son véhicule dans le fossé grâce à de simples ordinateurs. On y va. Nico, est-ce que t'es prêt? Attention. J'explique pas dans quel état 3, il est, Nico. 2, pire que monsieur. 1, regardez. C'est horrible. Et on peut faire la marche arrière ou ça marche pas, non? Ouais, applaudissez-le. Même pas mal. Vous devez additionner le nombre de métiers qu'a exercé Morane. Avec le nombre de culottes que Laura a emmené dans sa valise, multiplié par le nombre de fois Cornella a passé son code. Les sous-vêtements, nous en portons tous les jours. Donc il nous a paru évident que c'était la meilleure solution pour protéger les femmes contre le viol. Et donc ça, c'est un prototype? Oui, c'est le premier prototype. Ce que nous avons fait, en fait... On a placé des capteurs de pression sur toute la surface du soutien-gorge. Donc, quel que soit l'endroit où l'agresseur pose ses mains... Il recevra une décharge. C'est ça. C'est comme un soutien-gorge taser? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu as combien de culottes dans ta valise? Ah putain, j'ai combien de culottes dans ma valise? Je me rappelle plus ce que j'ai marqué. 9! Combien? Oui? Tu as dit 6? Quoi? Messieurs Bobo, President Barack Obama, let's go. What do you got now? You're also senioritis, yes? What do you got, about a year? You know, you're on your way. I can't believe that you're leaving before me. In fact,
I'm issuing a new executive order that Jon Stewart cannot leave the show. Pour conjurer le sort, on dit qu'il faut toucher du... Du singe. On était ravis de jouer avec vous. Je vous avoue que je connaissais pas l'émission. Ah. Mais par contre, je vous connais bien parce que je regarde bien vos fenêtres. Ah, mais c'est gentil. Eh bien... bon. Je fais de la télé, je fais de la radio, je fais du one-man show. Je vous aime bien parce que je vous regarde quand vous faites les fenêtres. Une photo de la Terre, maintenant. Elle ressemble à beaucoup d'autres photos de la Terre, sauf qu'en fait, elle est bien unique. Depuis 1972, il faut savoir que toutes les images de la Terre que vous voyez sont en fait des compositions réalisées à partir de plusieurs clichés, alors que la photo que vous contemplez actuellement, elle a été prise d'un seul tenant par un satellite de la NASA qui se trouve à un peu plus d'un million et demi de kilomètres de notre planète. Au siège de l'Église catholique, la consommation de vin est de 74 litres par an et par personne. Eh oui. Soit oh là là. Près de 100 bouteilles. Avec modération, bien sûr. Le t-shirt de monsieur, oui. Vaut mieux être sous que con. Et oui. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais c'est une bonne philosophie. Hein. Ça dure. Ah, ça dure. Oui, parce que con, ça dure. Ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Vous avez certainement une petite idée derrière la tête, Pierre Ménès. Aucune. Eh bien, il va falloir pour toi réfléchir. J'ai une petite idée derrière la tête, mais pas pour le maillon faible. Écoutez, ce que vous voulez faire à Sophie ne regarde que vous. Nous allons maintenant... Sophie, Laurie, Julie, je prends tout, moi. Non, mais... De toute façon... Même Bouzik, ça se négocie. À la réflexion, c'est très utile. Marié ? Ah oui, ça c'est sûr, ça peut. Avant de venir jouer ici, vous avez regardé mon ciel aussi en disant je peux y aller juste ou pas? Juste un petit peu, juste votre date de naissance. Elle a regardé mon ciel, elle m'a même pas dit. Pas tout, pas tout. Mais c'est mon ciel. Mais ça va pas, remarquez, je préfère vous regarder mon ciel que ma lune. Hein, mais... Mais l'humour n'est-il pas au sacré ce que le beurre est à la sodomie?